C'est elle, le corbeau. C'est faux. C'est ignoble. La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas toujours tenue entre les mains. Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser? Vous avez tenu la couronne. C'est vous qui avez mis la lettre. Moi? Vous avez découvert quelque chose sur le corbeau? Toute la ville peut être infectée. Et bien. Que? Non, rien. Au revoir. Au revoir. Dites donc, au fond, le corbeau, c'est peut-être vous? On m'accuse d'être votre maîtresse. Qui? J'ai reçu au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble. Que le corbeau m'a fourni de singulières précisions sur votre manière d'administrer. Répétez ce que vous venez de dire. Répétez-le! Vous devriez rentrer chez vous, que ce soit plus prudent. Et si je ne veux pas être prudent? Parce que tout le monde ici vous croit coupable. On parlera de provocation. Inutile d'insister, docteur, j'irai jusqu'au bout. Toi, vous êtes prise, et j'en emporte la preuve. Non, ne partez pas! Non, j'ai trouvé! Denise vient faire sa correspondance. Ici! La détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Le corbeau a raison. Je vous promets que celui-là n'est pas prêt de voir le jour. Rémi! Oh, Rémi! Heureusement que ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a ouvert l'œil. Quelle lettre? Celle-ci. On vous accuse de délivrer les faibles femmes d'un fardeau encombrant. Voilà. Vous êtes prévenu? Si je connaissais le salaud. Tout de suite les grands mots. Tu m'as volé mon amant, mais sois tranquille. Denise! Michel le saura, tout le monde le saura. Taisez-vous! Le corbeau a raison, j'aiderai à purifier la ville. Allez-vous vous taire! Non, je le dirai, je crierai si je veux. Sale type, sale type! Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres. Tu es lâche. Tu es faible. De nous deux, c'est toi la grue. Mais ça m'est égal, je ne céderai pas. Là, vous commencez à m'inquiéter. Vous disiez tout à l'heure que vous demandiez à la ville l'apaisement. Ah oui, l'oubli total. Je ne peux pas vous offrir tant que ça. Et quelques heures d'oubli, ça compte tout de même. Tenez-vous. Enfin oui ou non, connaissez-vous la personnalité du corbeau?